Le jeudi 23 mars, Marion Guilhem, comédienne emblématique de la fiction Scène de ménage, s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Celle qui a longtemps été considérée comme sa rivale, Danielle Evenoux, réagit à sa disparition. Le jeudi 23 mars dernier, Marion Guilhem s'est éteinte à l'âge de 84 ans, comme l'a annoncé la. Une triste nouvelle qui a bouleversé de très nombreux fans de Scène de ménage, mais aussi des dizaines de comédiens. David Mora était l'un des premiers à s'exprimer sur ce sacré coup dur. Frédéric Bourali lui avait aussi rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux. Marion, quelle tristesse! Difficulté de réaliser. Une tendre pensée pour ses proches, pouvait-on lire sur Twitter. Bisous ma Marion. Repose en paix, avait écrit Lou Denis Elion. Sa disparition étant un choc pour tous, M6 a décidé de bousculer sa programmation avec un prime spécial de Scène de ménage ce mardi 28 mars 2023. Marion Guilhem et Danielle Evenoux n'étaient pas amis. Marion Guilhem a eu plusieurs hommes dans sa vie, dont Jacques Martin avec qui elle a vécu pendant 4 années. Mais peu de temps après sa séparation, l'animateur télé s'est mis en couple avec Danielle Evenoux. Et impossible pour les deux femmes de vraiment s'entendre. Lors d'un entretien avec Jordan Deluxe, la comédienne s'en prenait à sa rivale. Danielle Evenoux si est-il quoi? Si est-il qui? Pour moi si est-il un affreux malentendu. Si est-il un poids mort. Ce n'est rien dans ma vie en tout cas. Ça n'a jamais matché avec elle. Sûrement pas. Des propos qui n'avaient pas fait plaisir à la principale concernée qui se disait peinée. J'ai du chagrin, avait-elle réagi l'année suivante. Danielle Evenoux brise le silence concernant la mort de Marion Guilhem. Si plusieurs personnes se sont exprimées sur la belle personne que Marion Guilhem était, Danielle Evenoux était restée silencieuse, jusqu'à maintenant. Pour Gala.fr, l'actrice s'est confiée sur sa mort. Elle a d'abord tenu à assurer qu'elle n'était pas rancunière envers ses propos et son décès l'affecte beaucoup. Si est-il toujours triste? Pour moi, 84 ans si est-il jeune, confie la star de la série de Marie Pervenche. Au courant de ses problèmes de santé, elle avait dû s'absenter du prime de Scène de ménage diffusé en janvier dernier, elle ne pensait pas qu'elle était proche de la mort. À lire aussi Je n'avais rien à faire avec cet homme, Marion Guilhem, Scène de ménage, revient sur son histoire avec Jacques Martin et dézingue Danielle Evenoux.